Je profite de l'occasion pour vous présenter une excellente année 2022 à vous et votre famille et vos équipes, bien sûr. Je tenais à vous raconter parce que votre rôle est plus qu'important dans cette période décisive de notre histoire. Dès le 5 septembre dernier, nous avons dit que la Guinée se fera avec toutes ses filles et fils dans l'inclusivité. En effet, des actes majeurs sont en train d'être posés. L'un des plus importants sera la liberté de la presse que nous voulons consacrer dans notre pays. Vous êtes des acteurs majeurs de la réussite de cette transition. C'est vous qui avez le devoir d'informer nos populations et à l'international. L'information, comme vous le savez, est aussi une arme. Elle se doit être traitée et diffusée avec responsabilité, beaucoup d'éthique, dans l'intérêt de la paix, de la réconciliation et le pardon dont notre pays a besoin. Nous sommes à une étape où les Guinéens ont besoin de se rassembler. En cela, votre rôle est déterminant. Certes, critiquer objectivement, c'est aider à s'améliorer, à corriger nos erreurs, mais je vous exhorte à vous impliquer, à donner de la visibilité sur les actes et actions qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Durant cette transition, nos compatriotes et la communauté internationale ont besoin de savoir qu'il y a également de belles choses qui se passent chez nous. Je vous garantis la liberté d'expression, mais dans les limites de la loi. La liberté, oui, mais le désordre, non. J'espère très sincèrement pouvoir compter sur vous, sur votre responsabilité, la qualité de votre service et votre professionnalisme. Je suis convaincu que vous accepterez pas à ce que votre métier soit sué. Par ailleurs, j'ai entendu vos requêtes. J'instruirai le Premier ministre à prendre toutes les dispositions pour apporter les réponses satisfaisantes à vos demandes. Je peux vous garantir que votre subvention sera revue à la hausse. Et cela dans la loi des finances rectificatives. Et un allègement de vos paiements de redevances sera fait. J'instruirai également la priorisation de la réalisation de la prochaine maison de la presse. Ce sera sans doute un des sentiers de la transition. Et pour moi, il est important que chaque Guinéen puisse vivre de son métier
pour vraiment vivre dignement. Et je compte sur vous, sur votre professionnalisme, à ce que nos compatriotes puissent être informés de la vérité, de la réalité dans notre pays. Je compte sur votre patriotisme et votre soutien pour le rassemblement de nos frères et sœurs.